Coucou Séval, voilà, on va aller à la. Je sais pas comment on appelle ça, les gens qui rachètent la ferraille. Ou ferrailleur. Donc, on va aller vendre ça. Voilà, une partie qui a déjà été coupée, rangée. Ça commence à faire du poids, donc on verra pour combien on en a eu. Je vous rajouterai ça en fin de vidéo. Donc, il en restera un peu en plus encore, hein. Puis il reste encore l'alu. Donc voilà, ça en fait, hein. Pas mal tassé, hein. Voilà, la remorque, elle est accrochée là. Donc on va y aller. Voilà, on est chez le ferrailleur. On a été pesé en rentrant. Et puis en sortant, il nous repèse et il va nous payer pour la différence. Donc on va décharger tout ça nous-mêmes. On a amené les gants. Donc je vous dirai ça en fin de vidéo, combien ça nous a fait d'argent pour cette partie-là, sachant qu'il nous en reste. Il arrive maintenant. Voilà, première paye. Super contente. Donc ils appellent ça ferraille de ramassage. Donc il y avait 305 kilos pour ceux qui ont amusé à compter, à estimer. Ils la prennent en ce moment, il est à 180 euros la tonne. Voilà, ça c'est des taux qui varient, c'est pas toujours forcément les mêmes, hein. Donc 54,90 euros, on a gagné. Ça c'est le salaire. Et il y en a encore, hein, à prendre, hein, parce que il nous en reste encore pas mal entre l'alu, les batteries, encore pas mal de ferraille. Donc voilà, en fait, vous amenez votre pièce d'identité et ils vous font une facture. C'est nickel. Nous, on a tout coupé petit parce que notre remorque est petite, on n'a pas eu le choix, mais ceux qui ont plus grand, ils n'ont pas besoin de faire ça. Voilà. Moi, je trouve ça valable, je suis contente. On n'a pas transpiré pour rien, prête à continuer, motivée. Je vous dirai pour combien on en aura eu au total. Voilà, ces jours-ci, on va aller un petit peu plus vite, on a un petit peu plus de temps dispo. Donc voilà, on avait arrêté quelque temps, mais bon, c'est comme ça, on ne fait pas ce qu'on veut. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et abonnez-vous. Gros bisous, c'était Valérie, merci.